Le Centre de création diffusion de Gaspé est très heureux de vous recevoir au théâtre pour le spectacle En direct de chez nous. À la fin du spectacle, la sortie se fera, rangée par rangée, du bas vers le haut. Un membre de notre équipe vous guidera dans l'espace. Nous vous invitons à remettre votre marque lors du déplacement. Au nom de toute l'équipe du Centre de création diffusion de Gaspé, nous vous souhaitons une très belle soirée. Bonsoir! Bonsoir! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous êtes content de sortir de la maison. Mon nom est Jacques-Henri. Je vous présente Marie Roussy. Salut Marie, comment vas-tu? Salut Jacques, ça va super bien. Je suis content d'être avec vous ce soir et avec toute cette belle palette d'artistes. Ce soir, le Centre de création et de diffusion de Gaspé est heureux, très heureux de vous présenter cette soirée auquel vous assistez ce soir, de même que des milliers de Gaspésiens ce soir parce qu'on est retransmis via le web et via les auditeurs de Radio Gaspésie, que je salue aussi. On a une dizaine d'artistes ce soir parmi vos préférés qui vont vous présenter des numéros ce soir qui sont vraiment super intéressants. De la musique que vous connaissez, de l'énergie dont on a grandement besoin en ce moment, en cette période de pandémie. Et le Centre de création et de diffusion a voulu vous présenter gratuitement ce soir un spectacle qui, j'en suis sûr, va vous plaire au plus haut point. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on est ici? Yes, au-delà de passer une belle soirée, on est ici rassemblés autour du thème de la culture, parce que l'art vivant, c'est quelque chose de très important. Encourager nos artistes et nos organisations culturelles pour vraiment là, faire vivre la culture gaspésienne. C'est le temps de sortir de nos salons et c'est le temps de triper culture. Ce qu'on va faire ce soir avec nos 10 artistes et on a aussi quelques invités protocolaires qui, évidemment, veulent profiter de l'occasion pour vous saluer et vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et vous parler, évidemment, des différents défis auxquels on a fait face cette année avec la pandémie de la COVID-19. Mais ce soir, on va commencer la soirée avec une première invitée que je vais vous présenter via le téléphone parce qu'elle ne pouvait pas se présenter ce soir. La députée de Gaspé, Mégane Perret-Melançon, a accepté quand même qu'on l'appelle chez elle pour qu'elle puisse vous accorder, nous accorder un petit mot. Donc, je vais me mettre en contact avec elle. Bonsoir, Mégane. Bonsoir. Alors, la parole est à toi. Ben, merci beaucoup, Jack. Bonsoir à tous. Très heureuse de pouvoir vous adresser quelques petits mots. J'aurais aimé, bien sûr, être avec vous là dans la salle pour vivre ce concept qui est absolument fabuleux. Vraiment, je tiens à le souligner. Là, c'est une initiative du Centre de création de diffusion de Gaspé. Et je trouve que c'est une équipe qui est toujours dynamique, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et c'est une équipe qui s'est renouvelée là, très dernièrement et qui le fait toujours pour nous permettre d'avoir accès à une offre artistique qui est diversifiée et de qualité. Alors, je veux, bien sûr, là, j'ai une pensée qui s'adresse aussi spécifiquement aux artistes gaspésiens, aux artistes québécois qui ont traversé des moments plus difficiles, là, étant donné que c'est un secteur qui a été particulièrement touché durant la pandémie. Et comme pour moi, là, comme pour bien des milliers de Québécois, la culture, eh bien, c'est un domaine essentiel à notre bien-être, encore plus dans les temps qu'on connaît. Alors, je tiens à témoigner de ma solidarité et vous dire que je serai toujours là à défendre le milieu de la culture. Puis, je m'assurerai là, que le gouvernement aussi soit au rendez-vous pour relancer cette industrie-là qui nous est chère. Alors, ce soir, on est en compagnie d'artistes hyper talentueux qu'on connaît bien, bien connus du milieu, mais ce sera une occasion pour nous là, de les redécouvrir ce soir. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Longue vie à nos artistes, longue vie à nos diffuseurs culturels et à leur équipe de techniciens. Puis, je veux remercier les partenaires de ce projet et tous les spectateurs qui encouragent et consomment notre culture, la culture de chez nous. Je vous remercie d'être là, fidèles à nos artistes. Alors, je veux également vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous dire que j'ai très hâte de vous retrouver sur le terrain. Merci à tous. Merci beaucoup, Mégane. Un petit mot sur ta nomination dans la presse aujourd'hui? Eh bien, j'ai eu l'étonnante surprise là, ce matin d'être parmi le palmarès là, des parlementaires de l'année 2020. Je suis nommée là, étoile montante, égalité avec un collègue que j'affectionne particulièrement, Yann Lafrenière. On a travaillé sur une commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs,
commission qui nous est chère. Alors, ça a été très, très plaisant pour moi de voir que les élus m'ont fait ce clin d'œil-là. Et bien sûr, c'est un prix que je veux partager avec vous, les concitoyennes Gaspé, parce qu'évidemment, c'est pour vous et c'est pour notre développement là, de la Gaspésie que je le fais. Et je continue à travailler en ce sens-là. Bon show en direct de chez toi. Yeah! Merci beaucoup. Au revoir. Merci. En respect du temps, pour ça. C'est le fun. OK. La municipale a vécu tout son défi aussi avec la COVID. Alors, on va accueillir maintenant le maire de Gaspé, le préfet de la Côte de Gaspé, Daniel Côté, qui va venir nous adresser un petit mot aussi. Merci beaucoup de l'accueillir. C'est le fun de se retrouver dans une vraie place avec du vrai monde, pas juste un écran d'ordinateur et un clavier. Ah, ça fait du bien. Fait que, ben bonsoir tout le monde. Ici, bonsoir en salle, bonsoir aux gens qui nous suivent aussi via les internets, comme certains disent. Je débuterai en disant quelle année. Quelle année phénoménale, pour certains catastrophique. On ne reviendra pas sur l'année comme telle. Qui aurait dit qu'un si vilain, je veux dire, physiquement petit virus, c'est microscopique, on ne le voit pas, qui aurait dit qu'un être microscopique comme celui-là pouvait causer autant de dégâts humains, autant de dégâts sociaux, autant de dégâts économiques également, puis des dégâts à la scène culturelle également. La scène culturelle a été durement touchée avec, par exemple, les bars fermés, donc plus de show, les événements culturels, pour la plupart annulés, sinon renouvelés en formule beaucoup, de beaucoup réduite. Les salles de spectacle qui fonctionnaient aussi de façon très réduite, même qui ont été fermées une grande partie de l'année. Écoutez, bien, puisque la pandémie a fait mal à nos artistes gaspésiens, quelle bonne idée de se retrouver ce soir à l'aube de la période des fêtes, de leur offrir cette tribune-là, sur scène, sur le web, puis de faire en sorte que nous, les gens d'ici, on puisse en profiter. C'est un cadeau à nous, de nous, peuple gaspésien, qu'on s'offre ce soir. Alors, merci à vous tous et toutes d'être là. Merci à nos fiers artistes d'avoir embarqué dans l'aventure et merci évidemment à toute l'équipe du Centre de création et diffusion de Gaspé, partenaire majeur de la ville de Gaspé en matière culturelle, évidemment, d'avoir piloté et livré cette magnifique soirée qui nous attend. Je vous souhaite une bonne soirée et aussi, puisqu'on n'aura peut-être pas l'occasion de se revoir dans les prochains jours, je vous souhaite également de joyeuses fêtes. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Daniel. Oui, le milieu culturel a été frappé de plein fouet. Plein de défis se sont présentés cette année pour les différents acteurs du milieu de la culture. On le fêtera ce soir pour nous en parler un petit peu, peut-être de ce défi-là, et également vous adresser un petit mot de bienvenue. J'invite la présidente du conseil d'administration du Centre de création et diffusion Gaspé, Geneviève Milot, à vous adresser la parole. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici ce soir. Vous savez, la dernière année a été, pour plusieurs d'entre nous, des deuils. On a vécu des petits, des grands deuils. Par exemple, en mars dernier, j'étais supposée fouler cette même scène lors du spectacle de l'École de danse de Gaspé en compagnie de mon fils à venir. Malheureusement, cet événement que j'attendais avec tant de joie n'a vraiment pas eu lieu parce que tout a été annulé. Mais j'ai la chance ce soir de l'avoir avec moi. Je crois que vous l'avez entendu tantôt. Je lui fais vivre son premier spectacle. Puis, je suis vraiment heureuse que ce soit un concert d'artistes d'ici de grands talents. Pour moi, c'est une façon de lui transmettre mon amour des arts vivants. L'amour des arts vivants, c'est ce qui a poussé toute l'équipe du Centre de création et diffusion de Gaspé dans les derniers mois. Je tiens à lever mon chapeau aux employés, aux bénévoles, aux administrateurs, pour qui mettre la clé dans la porte n'a même pas été une option. On a continué. On est allé de l'avant. Grâce à des partenaires qui nous soutiennent et qui continuent de croire en nous, bien, on est ici ce soir pour vous faire vivre toute une gamme d'émotions. Je vous souhaite de vous amuser, je vous souhaite de célébrer la culture, puis bien, je vous souhaite de vivre vos arts vivants encore longtemps.
Merci. Merci Geneviève. C'est l'heure de passer aux vraies affaires, aux vraies choses, place yes. au spectacle. Premier invité de ce soir, Benoît Jonca Leblanc, j'en reviens pas, lui-même parle de lui-même comme d'un artiste de la relève et pourtant... C'est pas la première fois qu'on le voit, là. Non, et depuis 20 ans, il arpente la Gaspésie avec son violon et ses amis musiciens. Alors, c'est lui qui va lancer l'artillerie, là, ce soir. Exactement, il s'est promené avec son archer et son dynamisme aux quatre coins de la Gaspésie et s'est rapidement imposé comme un virtuose du violon. Il va vous chanter une chanson inédite, « Nous deux », écrite pour lui par Manuel Brault. Donc, elle va le sortir au début des années 2021. Je vous présente Benoît Jonca Leblanc. Hey, bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, cool. Hey, c'est le fun de faire un spectacle, c'est le fun. Les musiciens sont bons, on a du plaisir. Alors, faisons de la musique. Sur la planète change, mais chaque fois qu'on se rencontre, nous deux, y a que ça qui compte. Y a des matins fragiles, des journées difficiles, c'est ainsi que tourne le monde. Nous deux, y a que ça qui compte. Chaque fois que se montre, faut écouter ce qu'il raconte. D'abord, ne pas avoir peur qu'il se trompe, ne pas gaspiller une seule seconde. Nous deux, y'a que ça qui compte. Quand je te sens rebelle, je te trouve encore plus belle, même si de colère contre nous deux, y'a que ça qui compte. Et les jours de beau temps, quand le bonheur te prend, tu laisses l'amour venir au monde. Nous deux, y'a que ça qui compte. Chaque fois que l'amour se montre, ne pas gaspiller une seule seconde. Nous deux, y'a que nous deux qui compte, même si la planète s'effondre. Nous deux, y'a que ça qui compte. Alex Métier à la guitare. Ne pas avoir peur qu'il se tombe, ne pas gaspiller une seule seconde. Nous deux, y'a que ça qui compte. Un joueur de violon, pas de violon, ça marche pas. Ça starte bien de soirée, ça starte bien de soirée. OK, une chanson que vous connaissez tous. Gênez-vous pas pour chanter, même à la maison, n'importe où, dans votre char, on chante. On chante. Un, deux, trois.
from Old Seven, West Virginia, a Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. A country road, take me home to the place. Stranger to blue water, a dark and dusty with painting on the sky, misty days out of moonshine. I got a teardrops in my eyes. I'm a country road, take me home to the place. Wow! Merci, Ben. Peux-tu croire que ce jeune artiste, dit-il, a participé au festival de Saint-Tite 11 années de suite? Quand il me parle de la relève, là, on est très, très loin de ça. Ah non, j'ai gigué tout le long, moi, derrière. Bravo, là, c'est ça. Bravo. On a parlé, évidemment, on a salué les gens de la salle. On a très rapidement salué les gens du web ce soir. Les gens du web, si vous nous écoutez, bien, vous nous écoutez, en fait. Merci beaucoup de prendre le temps. J'ose espérer que vous êtes nombreux, plus nombreux que nombreux. Les Gaspésiens d'Outre-Gaspésie, si vous êtes dans les grands centres, que vous nous écoutez, on est content de partager cet excellent moment-là avec vous et on espère que vous en prenez de cette belle fibre gaspésienne ce soir. Et les auditeurs de Radio Gaspésie, alors, évidemment, je vais me permettre de vous saluer particulièrement. Les gens dans l'Estran, dans le Rocher Percé, tout le Grand Gaspé. On est content de pouvoir radiodiffuser parce que, bon, la dizaine d'artistes qu'on présente ce soir viennent un peu partout sur le territoire. Il y a du Rivière-Ornard, Anse-à-Beau-Fils, Grande-Vallée, Petite-Vallée, Percé aussi. Donc, Colin, on a vraiment tout fait pour avoir une belle brochette d'artistes pour vous présenter ce soir. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et pour les gens qui sont sur le web, prenez le temps d'aller commenter. On veut voir ça, nous. Sinon, on va regarder un peu tout le long de la soirée, voir ce que vous nous disiez. Donc, dites-nous vos nouvelles de la bonne année. Si vous tripez. Bon, pour le prochain artiste, je vous présente Juan Sebastián Larrobina. Il nous a apporté de l'Argentine et du Mexique des rythmes latinos qui a su mélanger à la culture gaspésienne depuis des années. Il a su tailler sa place dans le cœur des gens de la région. Il nous rappelle surtout l'importance de chanter et de danser. Bon, là, c'est sûr, vous êtes assis sur vos sièges, mais j'aimerais ça que vous bougez des épaules. Les gens à la maison, levez-vous. Dansez, bougez vos jarrets. Je vous présente Juan Sebastián Larrobina. On l'applaudit. Merci beaucoup. Wow!
Hey, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, vraiment, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas vu du monde live, comme on dit, du vrai monde qui est présent pendant qu'on fait la musique. Je pense que mon seul spectacle 2020, c'était à Lanceau-Griffon. On était 50 dans le temps où on pouvait être 50, plusieurs tables. Puis là, ce soir, ben, les talents gaspésiens sont là. Moi, c'est la première fois que je joue avec Mathieu. C'est un grand plaisir de jouer avec lui. Mathieu, Pat Dugas, Alex Pelletier. Ben, Martin, on n'a pas besoin de le présenter, lui, là. Martin. François-Pierre, merci beaucoup. Puis merci de l'invitation. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Merci d'être là aussi. La musique est vivante. On est encore vivant, même si on veut nous tuer. Il n'y a pas de peur. Il n'y a que l'amour. Je vais faire une chanson qui est nouvelle. Elle n'a pas été encore enregistrée, mais on va le faire un jour. Puis, ça s'appelle Corazón Abierto. Vous pouvez aider avec les mains. Juste pour sentir qu'il y a du monde un peu. Oui, il y a du monde, oui, il y a du monde. Wow, 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 wow. Est-ce que le monde y chante aussi? On va essayer un couple de petites affaires. Ok, juste facile, facile. Wow. Ça va bien, ça va bien, encore. A voir si vous vous souvenez. La verdad, siento que lo que pienso suele hacerse realidad y volar hacia la eterna libertad y volar hacia la eterna. Hacia la eterna libertad y volar hacia la eterna libertad. Si estoy contigo, nada te puede, nada nos puede, nada te puede faltar. Si estás me dan paz y volar hacia la eterna libertad y volar hacia la eterna libertad y volar hacia la eterna libertad. Hacia la eternidad.
puede, nada nos puede faltar. Si estás conmigo, nada te puede pasar. Maestro! Hey, c'est vraiment le fun, il y a du vrai monde! Tabarnouche, quelle belle soirée! Wow! Woo-hoo! Le feu est pogné à Gaspé, je sais pas qui est à la maison, mais ici on est bien. Il y a 120 personnes chez moi, il y a des petites boules, je vois tout le monde séparé, mais je vois des visages que je connais. Yes, sir! C'est vraiment le fun, merci Gaspé d'être là. Et merci de partager la musique, merci la gang. On continue avec une petite chanson. On dit toujours ça, hein? Je continue avec une petite chanson, ok. On va changer le discours un peu. Je sais pas quoi dire, hein, quand nous demande. Ça fait tellement longtemps. Et honnêtement, je ne me souviens pas qu'est-ce que c'était faire la musique live. On oubliait ça. On oubliait ça, les sortir, puis on se donne sur la main, on ne se donne pas la main. C'est sur le coude, c'est sur le pied, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, quand ça va revenir, je ne sais pas trop comment est-ce que ça va revenir, mais on va voir qu'est-ce qu'on va avoir appris de toute cette pandémie-là. Peut-être quelque chose, peut-être on va avoir rien appris. Mais on ne sait pas, je pars sur d'autres directions. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien. En fait, je voulais juste vous dire que je vais vous jouer une autre chanson, c'est ça. Puis c'est ça, continuez à être heureux, continuez à enlever la peur de vos vies. Je sais qu'il y a cette pandémie, on va mourir anyway, tout le monde, Chris. Excusez pour les crises, mais on va mourir tout le monde, pareil. Fait qu'on ne se fait pas, on protège les proches, on protège ceux qui ne sont pas proches non plus, on ne se garde pas proches, c'est-à-dire... Je me suis mêlé dans mes mots. Proche, pas proche, en tout cas. On continue à être proche, même si on est loin. Et un salut en Argentine, si, seigneur. Parce que peut-être au streaming, il y a toute ma famille qui m'écoute. Marina, ma mère. Au Mexique, il y a tout le monde, al colo, qui se cuide el colo si nous écoute. Et au plaisir d'être ici. Puis merci beaucoup à vous autres. Merci à tous les artistes. Celle-là, j'ai besoin vraiment tous les mains. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, sino un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Aquí somos lo que estamos. ¡Vaya! Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, sino un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Así somos los humanos. Yeah.
somos, tantos amos, no sabemos cuando amamos lo que es bueno, lo que es malo, lo que sobra, lo que amamos. Olvidamos fácilmente, recordamos lo demás. Mientras va pasando el tiempo, desgastando la vida. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Aquí somos lo que estamos. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Así somos los humanos. ¡Sala! Precipicio, caminamos de la mano, sin querer dejar de lado nuestra verdad personal. Y cada vez más humanos quieren tener profesiones, cosas que los llenen mucho y que le den felicidad. Y así acumulamos y acumulados estamos entre historias y objetos, hojas blancas y marrón. Acumulamos y acumulados estamos pesadillas, discusiones, cosas verdes y emociones. Acumulamos y acumulados estamos caminando entre las aguas, flotando sin paraguas. Acumulamos y acumulados estamos profundas contradicciones. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Aquí somos lo que estamos. ¡Vaya! Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Así somos los humanos. ¡Vaya! Seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Así somos los humanos. Porque somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Aquí somos lo que estamos. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Así somos los humanos. Merci beaucoup. Pat Dugas. François-Pierre Poirier.
Alex Pelletier, Martin Hogan et Mathieu Joga. Merci tout le monde. Juan Sebastián Larobinard. Et la relève, hein? La relève, elle y chante aussi, hein? Attention, hein? On est en période de pandémie et on vient de franchir trois frontières dans le temps de le dire. Si c'est pas merci. Mettre le feu au plan, je sais pas c'est quoi. J'espère que grand-maman s'est pas cassé une hanche en dansant trop vite. Bravo, bravo, bravo. Vive les technologies. Aline Perry siège sur le conseil d'administration de Berceau du Canada. Elle tenait, elle aussi, ce soir, à vous adresser un petit mot pour le spectacle, évidemment. Alors, téléphone cellulaire à la main, COVID oblige, donc je vais lui donner l'opportunité de nous adresser la parole. Aline, on t'écoute. Merci, Jacques. Donc, c'est avec une grande fierté que je représente M. Fabien Finot, président de la Corporation de Gaspé Berceau du Canada, et je vous lis le texte que M. Finot a préparé au nom de tous les membres du conseil d'administration et de la direction générale. Voilà. Historiquement, la pointe Ohara, où se trouve actuellement le site Gaspé Berceau du Canada, était un port maritime. Lieu ouvert sur le monde, des gens de partout venaient pour échanger et se rassembler. C'est encore le cas aujourd'hui. La mise en valeur de la culture, la nôtre, mais aussi celle des autres, est au cœur même de la mission de la Corporation Gaspé Berceau du Canada. Que ce soit à travers des visites guidées sur notre patrimoine, des événements festifs comme le Régional de la bière ou les soirées musicales des jardins, cette pointe est devenue un lieu de diffusion culturelle incontournable à Gaspé. Le Centre de création et diffusion de Gaspé partage lui aussi cette ouverture aux cultures, aux échanges et aux rassemblements artistiques. Nous sommes privilégiés d'avoir pu collaborer avec son équipe dynamique ces dernières années dans le cadre des différents projets de création. Pour ceux qui ont eu la chance d'y assister l'automne dernier, le spectacle de danse de Clara Fury et ciné-danse adapté aux règles de la santé publique fut mémorable. Inutile de vous dire que nous souhaitons à nouveau participer à ce genre d'initiative prochainement. La créativité vitaminée et l'audace constante des Gaspésiennes et Gaspésiens sont si inspirantes, surtout en ces temps d'incertitude. Merci au Centre de création et diffusion de Gaspé d'ouvrir le rideau sombre de l'incertitude pour nous faire voir les couleurs vives de l'art. Si la culture réchauffe le monde, ce sont des partenariats comme ceux-ci qui contribuent à nourrir le feu. Et à vous tous, chers amis du public qui avez cordé le bois, merci à tous, artistes, partenaires et publics, pour votre soutien. Donc, bon spectacle et j'en profite pour souhaiter des joyeuses fêtes à tous. Merci. Merci beaucoup, Aline. Merci, bonne soirée. Bon spectacle. Merci. Je suis très impressionné par le parcours de notre prochaine invitée aussi. Dans son cas aussi, plus de 30 ans en Gabadé, partout en Gaspésie. Vraiment un amoureux de la musique. Incroyable! À 12 ans, il produisait ses propres cassettes qu'il distribuait à ses proches. Après, s'en suivit rapidement des tournées, des concours, des noces, des festivals et des clubs sociaux. Bref, pour partager son amour du country. Au fil des ans, on l'a vu partout et ce soir, il est ici. Je vous présente Pascal Côté. Hey! Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je veux encore plus de lumière. Comment allez-vous? C'est parce qu'il faut y aller comme ça. Yeah! Enfin! Enfin, un spectacle. C'est impressionnant de voir ça comme ça. On dirait que, je sais pas, il y a des points morts. Vous, le public, ils ont voulu séparer le public des billets. C'est ça. Finalement, ce que je veux dire, c'est que on est très privilégié d'être là ce soir. Puis, je vous offre deux belles chansons. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Merci au Centre de création et diffusion de Gaspé. On les applaudit. Merci. Thank you.
et tu longes chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Oh, mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Et je vois ton visage qui m'hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Oh, mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Savoir comme je peux t'aimer. On se laisse bercer avec les poussières. Quand mes voyages ont pris fin et qu'au fond de moi j'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin, à ce moment je pourrais m'arrêter. Je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. J'ai le goût de vous entendre tout le monde. On y va ensemble. Avec vos applaudissements, tout le monde, jusqu'à maintenant, le show. Comment ça va? Alors, j'allais
remercie Simon Poirier, Simon, c'est Simon Pierre, c'est François Pierre, excuse-moi. François Pierre, puis toute sa gang, mais Sébastien l'a fait tout à l'heure, fait que merci Sébastien d'avoir présenté les musiciens, mais j'aimerais qu'on les applaudisse encore une fois. Yeah. Ils ont fait un travail excellent. On est arrivé hier pour une pratique, un test de son. On s'est installé, la plupart des chanteurs, comme ici. Puis, OK, on y va. Un, deux, trois. Puis, ils nous ont envoyé ça comme ça. Puis, c'est comme si on avait pratiqué deux mois ensemble. Bien, ça s'est fait merveilleux. Encore une fois, s'il vous plaît. Vous savez, en ce temps de cette période de l'année, en ce temps de pandémie, j'ose le dire tout bas, la vie, l'amour, c'est parfois si compliqué de s'y retrouver. Parfois, les mots sont même de trop. Alors ce soir, laissons-nous guider par l'étoile du Cap enragé. La peau, il fouette les flancs et glace l'âme de mon bateau. Amarré à la barre, chantant ta voix, chantant tes mots. Chaque fois que le tonnerre me frappe de son écho, au large cap enragé, au large de tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai sauvé. Peut-être que j'étais beaucoup trop loin pour empêcher mon pauvre bateau de prendre l'eau et de couler.
enragée. Oh, mama, 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 yeah. Au large du calme, enragée. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bon show. Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Merci.